Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on va parler mode, ou plutôt, pas vraiment d'un mode en particulier, on va plutôt parler de comment on fait des mods. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Open Classroom. Open Classroom, si vous ne savez pas, c'est un site de formation en ligne, qui d'ailleurs par le passé s'appelait le site du zéro. C'est d'ailleurs là où j'ai appris à coder en C personnellement en 2011, ça fait un petit moment. Et du coup, je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi Open Classroom serait votre meilleur moyen certainement de faire des mods, justement. Mais avant ça, c'est quoi un mod? Alors, un mod, c'est tout simplement une modification d'un programme informatique, un jeu vidéo, ou même, si vous prenez le sens large du terme, en fait, n'importe quoi. Donc, par exemple, si je mets, je sais pas moi, des barres pour transporter les bagages sur ma voiture avant de partir en vacances, c'est une modification de la voiture. Donc, c'est une modification des fonctionnalités de base de la voiture. Donc, c'est un mod. Donc oui, tout le monde est un modeur, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Non, je rigole, bien sûr. Donc, ici, dans le cas de Minecraft, c'est un mod, c'est tout simplement, c'est une modification du jeu pour rajouter des fonctionnalités, modifier des fonctionnalités ou même juste changer le look de Minecraft. Un mod qui est le plus connu et que je pense la plupart des gens ont, c'est Optifine. Donc par exemple, si je mets la pause, vous voyez que dans mon menu d'options, j'ai plus d'options tout simplement qui sont offertes par Optifine. Donc Optifine est un mod de Minecraft, ce qui modifie Minecraft afin de rajouter des choses. Ok, donc on sait ce que c'est un mod, mais maintenant, comment on le fait en fait? Genre, comment on fait un mod? Genre, c'est comme les packs de textures, on le met quelque part et puis ça marche. Genre, je dois prendre des fichiers quelque part. Je vais vous montrer. Alors, évidemment, je vais vous montrer d'une façon simple comment c'est fait. Évidemment, ça peut venir plus compliqué. Si vous êtes le créateur d'Optifine, je suis sûr que le mode d'Optifine est extrêmement complexe. Mais il y a moyen de faire des mods plutôt simples en fait. Et c'est justement ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo, juste vous montrer un petit peu comment c'est fait. Ok, alors la première étape pour faire un mod Minecraft, c'est tout simplement comprendre ce qu'on va modifier ici. Minecraft est un jeu qui est fait avec un langage de programmation qui s'appelle Java. D'où le fait que Minecraft s'appelle Java Edition. Vous avez évidemment la Bedrock Edition, mais non, elle n'est pas faite en Bedrock, ce qui serait un petit peu bizarre. Elle est codée avec un autre langage de programmation. Ici, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur la Java Edition, parce qu'en réalité, sur Bedrock Edition, c'est pas toujours possible de faire des mods. Vous le comprendrez pourquoi après. Du coup, vous avez déjà souvent dû entendre parler de Java, en fait. Beaucoup de gens sont en mode « Ah, Java, c'est lourd, c'est à cause de ça que Minecraft tourne mal et tout ça. » Alors, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais Java a un énorme avantage, ce qui a fait la popularité de Minecraft, surtout au niveau du fait que les mods étaient très faciles à faire, c'est tout simplement que Java, vous pouvez facilement récupérer le code du jeu, tout simplement. Le code du jeu, c'est ce qui fait le jeu, en fait. C'est un peu comme votre ADN, vous voyez? Votre ADN définit que vous avez les cheveux, j'allais dire bleu, mais ce serait bizarre. Vous avez les cheveux blonds, vous avez les cheveux bruns ou autre chose. C'est votre ADN qui le définit. Eh bien, le code du jeu, ben, ça définit que Minecraft a des blocs de feuilles, des blocs d'herbe, des blocs de stone. Du coup, pour faire un mode Minecraft, vous avez besoin du code Minecraft ou alors, un autre cas qui est possible aussi, vous avez besoin de ce qu'on appelle une API. Et c'est tout simplement des outils qui permettent à un développeur de plus facilement faire des mods. Au final, il ne fait même pas vraiment un mod. Il suit juste l'API et puis il peut faire des modifications dans Minecraft sans même, en réalité, forcément avoir le code de Minecraft, en fait, si l'API est bien complète. Donc pour notre exemple ici, on va utiliser Fabric. C'est tout simplement une API, comme j'ai dit, qui permet de charger des mods ou de créer des mods, hein. Ça va dans les deux sens. Et pour ceux qui ne connaisseraient pas d'autres API d'ailleurs, une que vous devez forcément connaître, c'est Forge. Oui, Forge Minecraft. C'est une API qui permet de faire des mods plus facilement. Bon, en théorie, si vous demandez à certaines personnes, ce ne sera pas forcément le cas. Mais bon, bref. Du coup, en 1.14, la meilleure API qui est la plus simple à utiliser, c'est Fabric. Fabric est très simple d'utilisation. Il n'est pas hyper complet, mais très simple d'utilisation et je vais vous montrer un petit peu justement comment on fait un mod avec Fabric en fait. Mais avant ça, évidemment, il va nous falloir un dernier truc avant de commencer notre mod. Bah, c'est tout simplement pouvoir coder en Java en fait. Vous devez connaître Java. Vous devez pouvoir écrire des programmes en Java avant de faire un mod Minecraft. Et pour cela, bah, tout simplement, vous avez par exemple Open Classroom. Open Classroom, c'est quoi, vous allez me demander? Eh bien, comme j'ai dit, c'est anciennement connu sous le nom du site du zéro et maintenant sous le nom d'Open Classroom. C'est le premier site de formation en ligne en Europe avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs par mois et plus de 400 cours en ligne, dont de très nombreuses formations justement, qui notamment vous permettent de
Par exemple, devenir développeur d'applications mobiles, devenir développeur de sites web, ou encore justement devenir développeur d'applications Java. Et c'est ça qui nous intéresse un petit peu plus ici. Mais ça ne s'arrête pas là. Déjà, la formation est 100% en ligne. Elle est totalement flexible. Donc, si vous dites « Ah, ben tiens, j'ai envie de le faire le soir après le travail », ou si peut-être justement vous êtes étudiant, ben le faire un petit peu le soir aussi après vos cours, apprendre un autre métier en même temps, vous pouvez le faire. En plus de ça, une fois la formation terminée, vous aurez un diplôme reconnu au RNCP. Et Open Classroom d'ailleurs s'engage à ce que vous trouviez un emploi dans les 6 mois après avoir terminé votre formation. Et si vous n'en trouvez pas un, il vous rembourse l'entièreté de celle-ci. Mais ça ne s'arrête pas là, vous avez un mentor aussi qui vous accompagne. Donc, si vous avez le moindre problème, il sera là pour vous aider. C'est un professionnel d'ailleurs qui travaille dans le même milieu que vous apprenez. Donc, notamment ici avec Java, ce serait un professionnel Java. Et en plus de ça, vous avez un coaching de 2 mois gratuit avec un coach en insertion professionnelle qui vous permettra justement de trouver un emploi encore plus facilement. Du coup, n'hésitez pas à découvrir dès maintenant Open Classroom en suivant le lien dans la description. Comme j'ai dit, c'est pour moi un honneur vraiment de faire une vidéo pour eux parce que j'avais utilisé leur site par le passé. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça vous aidera beaucoup si justement, si vous êtes en mode « Ah, j'aimerais bien apprendre ça » et juste faire des cours du soir pour l'apprendre, ben, c'est génial. Et du coup, si vous suivez la formation Java, tenez compte que ben, déjà, ça vous aidera à faire des mods, mais ça pourrait vous mener vers une carrière, peut-être même chez Mojang en fait. Parce que Mojang recrute beaucoup de modeurs Minecraft pour leurs développeurs. Justement, récemment, ils ont lancé une vague de recrutement à ce niveau-là. Donc peut-être d'ici un an, parce qu'ils recrutent souvent, vous pourriez être dans ce même cas, ce qui serait franchement génial, je l'espère pour vous. Ok, alors maintenant qu'on a vu bah, qu'il fallait connaître Java, peut-être que vous continuez de regarder ces vidéos parce que vous êtes juste intéressé, ou peut-être que vous avez déjà des bonnes bases en Java et que vous voulez voir comment ça marche. Eh bien, la prochaine étape, c'est tout simplement de juste mettre en place un environnement de développement pour développer votre mode. Et pour cela, bah, vous avez tout simplement le wiki de Fabric. Alors, bon, c'est un petit peu le cas avec la programmation de toute manière. Apprendre l'anglais ne fera pas de mal. Je suppose que Open Classroom a certainement une formation pour apprendre l'anglais d'ailleurs, mais bon. Et du coup, bah ici, vous avez un petit tuto qui vous montre comment tout simplement mettre par exemple Java, un IDE, donc c'est un environnement de développement, et puis tout simplement, par exemple, télécharger un exemple d'un mode Fabric, juste la base d'un mode Fabric. Et vous aurez aussi d'ailleurs un README ou autre chose pour justement vous dire « Hey, voilà comment ça marche et tout ça. » Et vous avez toutes les étapes vraiment pour commencer à faire un mode Fabric. Et ça, c'est pour justement, comme je le dis, faire un mode Fabric. Vous pouvez aussi faire un mode Forge si vous le voulez. Mais personnellement, je pense que Fabric est une bien meilleure façon de se faire la main pour faire des modes, justement. D'ailleurs, voici l'exemple d'un mode Fabric. Donc, c'est réellement, genre littéralement, un mode. Donc, si on va par exemple ici, on a justement upexamplemod.java, ce qui est un fichier Java, et on peut l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, ça, c'est un mode. C'est littéralement, l'entièreté de ça, c'est un mode. C'est un mode extrêmement simple qui ne fait que se charger et ne fait rien d'autre. Il se charge si vous avez Fabric d'installer, évidemment. Mais oui, et tout ce qu'il fait, ce mode d'ailleurs, c'est juste dire Hello Fabric World. Parce que forcément, c'est ce qu'il allait dire. Donc là, vous pourriez juste écrire le début de votre mode, c'est là où il s'initialise d'ailleurs, et puis vous pourriez commencer à créer des nouvelles classes, peut-être vous allez faire un mode qui rajoute des friteuses dans Minecraft, et vous allez rajouter une classe friteuse ou autre chose. Et donc si vous avez codé en Java, vous savez à peu près quoi faire, surtout avec justement la page d'aide de Fabric qui vous aidera énormément là-dessus. Et en plus de ça aussi, beaucoup de mods sont disponibles en open source, vous pouvez télécharger les sources et regarder comment eux ont fait quelque chose si vous avez un petit peu du mal, ou que vous voulez justement faire un truc similaire. Bon, évidemment, il faut regarder la licence de ces mods pour pas non plus copier n'importe quoi. Mais en général, si vous le faites de manière respectueuse et que vous suivez bien la licence, il n'y a aucun problème. Et donc voilà comment on fait un mod. Bon, ok, c'est peut-être pas aussi simple que vous ne l'imaginiez, peut-être pour certains, ou c'est plus simple que vous ne l'imaginiez pour d'autres, je suppose. Mais oui, ça requiert forcément de connaître Java, ça requiert un peu de mise en place. Mais je peux vous le dire très clairement, au début c'est un petit peu compliqué, mais à force ça va devenir très très simple. Et si vous vous débrouillez même dans le milieu, vous pourrez certainement faire des mods très intéressants. Du coup, est-ce qu'il y a des modeurs dans l'audience d'ailleurs? N'hésitez pas à partager un peu vos créations dans les commentaires.
Si vous postez un lien, le commentaire n'apparaîtra pas tout de suite, mais je l'autoriserai par moi-même après. Ça peut être intéressant de voir justement s'il y a des codeurs dans la communauté qui ont fait des petits mods. Et si vous êtes intéressé à commencer à développer vos propres mods, eh bien n'hésitez pas à suivre justement le lien dans la description pour suivre une formation avec Open Classroom, ce qui vous aidera énormément dans le milieu. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, merci à Open Classroom d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, et je vous dis salut à tous!